Eh bien salut tout le monde, et c'est sur cette première phrase, ce sale fils de pute, que nous allons que nous commençons ce troisième épisode. Alors je vous rappelle, on est toujours à la poursuite de Robert, hein, qui nous a littéralement trahi la dernière fois. Là, il y a plusieurs soldats, il y a des mouettes, hein, je tentais de les tuer les mouettes, hein, je suis pas sûr, un petit tir au pigeon comme ça. Les munitions, je vous rappelle, sont assez limitées, donc on va devoir la jouer furtif. Parce que là, il y a vraiment trop de monde. Bon, je vais essayer d'écouter, voir où ils sont. Il y a un mec là-bas, il y a un mec là-bas, il y a un mec là-bas. Il y a un mec là-bas. Ça va être tendu, toute cette histoire. Je crois que j'avais une bouteille. Bon, je vais l'éclater sur la tête du mec là-bas. Je vais littéralement l'éclater sur la tête, mon petit là. Ah putain, je suis pas assez prêt. Ah bah voilà. Putain, il tremble, hein. Oh, t'as Parkinson, mon gros? Salut! Voilà. Ok. Je viens littéralement de foutre la merde et je pense que le mec m'a eu. Ouais, j'ai fait un truc que j'aurais pas dû pas faire! J'aurais pas dû faire là. Voilà, donc lui, c'est bon, il est mort. Ok, donc lui, il est là. Je sais pas s'il m'a vu. Mais moi, je vais l'attraper! Non. Allez, 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 tue-le! Éclate-lui sa tête contre le truc! Voilà. Fucking bitch! Lève-toi, je te fais un shot, bâtard! Oh! On va lui prendre sa petite barre en bois, là. On se casse, maintenant. Allez, on va prendre sa barre en bois. Faut la prendre. Prends la barre, prends la barre, prends la barre, voilà. Prends le... Oh, le couteau! Magnifique! Magnifique! Non, là, monte pas dessus, monte pas dessus, oh! Alors. On va essayer de se crafter un truc. Oh là là! Regardez-moi ce qu'on peut faire. J'ai pas l'arme de mêlée! Si, j'ai l'arme de mêlée. Mais si, il me semble que je peux la craft. Hein, j'ai pas de surin. Ah, j'en ai pas! Ok. Mais il me semblait qu'on pouvait faire une arme de mêlée là, comment est-ce possible? Bon, va falloir qu'on aille tuer l'autre là. Allez, je prends un medikit. Alors un medikit, on va se soigner tout de suite. Parce que j'ai quand même vachement morflé, moi je suis pas trop furtif. Allez, allez, super oui. Ok, personne à proximité, on va essayer de ramasser le truc là. Petite bouteille qui nous sert. Allez, c'est parti, on va essayer de détecter quelqu'un. Encore personne. Ah, il y a un truc par terre là. Ah, une brique, magnifique la brique. La brique peut nous servir, hein, regardez. Je vais vous montrer à quel point ça peut servir une brique. Alors, on va essayer de repérer quelqu'un. Il y a personne. Encore une brique là. Allez, encore une brique. Ah merde, je suis plein. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Personne autour de moi. Je prends la bouteille. Ah si, il y a un mec là-bas. Rien, mec. Et de ton côté. Wouah wouah wouah, ça s'annonce tendu! Ah, j'ai lâché ma... Carrément! En fait, j'ai lâché ma brique pour une bouteille. Ça m'arrange pas vraiment. Bon, je vais essayer de tuer le mec là avec la bouteille, voir ce que ça peut faire. Ça risque d'être marrant. Bon, on va l'intercepter là. Oh, trop de violence. Oh my god. Là je lui ai explosé la tête. Aïe 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 aïe. Ah, j'ai pas géré là. Allez vite, je vais prendre ma brique, je vais... Boum. Dans ta face. Ah. Il y a trop de monde là, j'ai pas géré là. Allez, on prend la brique. On prend la brique. Et on va littéralement leur taper sur la tête. Je sais pas où il est, lui. Oh, je vais t'éclater ta tête avec la brique! 6 munitions. Allez, maintenant j'en ai marre, je me joue plus furtif. Je vous éclate votre face avec mon fusil, d'accord?
Ok, bon, apparemment il n'y a plus personne. C'est tendu. Ok, donc il n'y a plus personne, on va pouvoir aller là-bas. Le bureau là. Robert a dû s'y réfugier. Une petite trousse de secours. Merci, madame. C'est parti, je te suis. Des cartes. Ça sert à rien. Wow! Parler, fais gaffe ou je te lance une brique. Fais gaffe ou je te lance une brique, mon gars. Baisse ton arme. Je te baisse le froc. Et là, ma blague. Il se barre. Vite. Robert. On s'en fout. On fout des coups de pied dans les portes et on va le tuer, Robert. Oh là, je suis trop chaud là. On a failli. C'est ça le problème. Oh oh. Ah, petit raccourci. Cinématique. On te tient! Allez! Salut Robert. Tu vas bien? Tess? Joël? Faut que tu casse-toi. Sans rancune, pas vrai? Exactement. Une brique dans ta face. Ok. Oh. Oh putain! Tu nous as manqué. Oh god. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste. Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Ouais, bien sûr, mais... C'est compliqué. D'accord? Oui. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois... Ah oh, god. Oh, merde. Ah, stop! 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 Merde. Arrête de gigoter. Tu disais? Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez. Qui a nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Ah, enfoiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi? À mon avis, il va être tué. Écoutez, ils sont presque tous morts. On a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez. Ce sera sans toi. On s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. In your face! Excuse-moi. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Quand on parle du loup? Eh ben voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. Tu cherches une balle dans la tête, je dis. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire, des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? Très bonne question. D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Oui, chef. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici, maintenant. Bon, résumé, on s'est fait voler nos armes. Vous êtes partant. Qui sont aux Lucioles, on doit suivre la reine des Lucioles. Oh là là, la reine. Mais malheureusement, il y a l'armée qui nous cherche, comme par hasard. Je connais un autre chemin. Venez. Allez, toi, tu shootes dans les pots de peinture, t'es trop une rebelle. En plus, elle s'est fait à moitié tirer dessus.
Tout à l'heure, t'as dit que t'étais pas une dame, alors finis la galanterie, ok? Fini. Et maintenant, le soleil. Waouh. Waouh, c'est quoi qui vient de péter là? Bordel de merde. Ce sont les lucioles? D'accord. Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Par ici. C'est vraiment, vraiment pourquoi l'anarchie. On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. On essaie simplement de se défendre. Les armes sont là, on dirait. Ramasse tout. Voilà. J'ai littéralement tout volé. Vous n'avez rien vu. Bon, on va essayer de se crafter un truc là. On peut rien faire. Mais j'ai un surin, mais il est où? Oui, j'arrive, madame. Ah, d'accord. Fallait que je pousse le joystick. D'accord, bien vu. Oui, je tiens le coup. Ça ira. Ah non, tu parlais à elle, d'accord. Stop. Des soldats. Un vilain soldat? C'est la sortie. La porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors. Même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. Oui, c'est pas trop notre style parce que je vous rappelle, au tout début, hein, on a essayé de sortir honnêtement avec des vrais papiers. On doit atteindre cette porte. On doit atteindre la porte là-bas, c'est parti. What that fucking motherfucking... Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Tout simplement pour dire que c'était... Waouh! C'est beau. Nicolas dirait comme ma bite. Ok. Je prends celui-là. Ok, donc là on va littéralement à nouveau se battre. Rester avec nous. Enfin avec moi parce que je suis tout seul. Enfin avec nous parce qu'il y a la deuxième partie de mon être. Attraper. Bim. T'es mort. Bon, on la joue furtif. Il y a un mec là-bas, je sais pas si vous le voyez là-bas. Oh, tellement tenté de lui mettre un headshot. Mais non. Bon, on avance toujours. Moi avec ma brique dans la main. T'inquiète, super rouille activée. Personne à l'horizon. Super rouille. Il y a un mec là-bas. Oh, c'est trop tendu. Je n'aime pas ça. Je vais te casser la tête avec ma brique. Oh là là. Excusez-moi pour cette rage, mais... Enfin non, c'est pas de la rage, c'est de l'acharnement. Je reprends une brique. Oh là là. Êtes-vous prêts? Pour le meilleur enchaînement ever. What that fail? Oh là 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 là, le fail! Un truc de fou! Bon, d'accord, je casse la brique juste après, c'est. Je te tiens maintenant, connard. Ah ouais? T'es sûr que tu me tiens? Ouais, c'est ça, fuis! Aïe. Alors là, on peut vraiment. On peut vraiment que la jouer furtif, hein, parce que là je me suis loupé, et regardez le résultat. Oh là 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 là. Boum, t'es mort. J'attends l'autre là-bas parce qu'il a l'air de nous embêter. Bon, je vais récupérer son arme. Non, je peux pas. On va prendre la brique.
Ah, mais merde, à chaque fois je me trompe de touche. Et boum! Là je suis vraiment pas bien là. Je sais pas où il est l'autre, mais alors là je vais lui littéralement défoncer. Défoncer. Sa face. On est plus très loin. Bah y'en a plus. C'était le dernier. Ah, j'ai pas géré là-dessus. On se pique une tête? Non, je déconne. Ah, donc on va essayer de passer par-dessous. Voilà la fameuse porte. Allez, c'est parti. On y va. Et j'espère qu'il y a personne dedans. Parce que s'il y a quelqu'un dedans... Très bonne idée. J'y aurais pas pensé. Où est-ce qu'on va, Marlène? Elle va nous lâcher, Marlène. On n'est plus très loin. Marlène va nous lâcher, je vous dis. Elle va nous lâcher. Comment tu te sens? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. Ouais. À mon avis, elle va nous lâcher avant la fin. On est presque arrivé. Attention. Le couvre-feu est désormais en vigueur. Ah, il manquait plus que ça. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Oh, il manquait plus que ça. C'est quoi la marchandise? Montrerai. Je suis sûr que c'est même pas des armes. Quand elle dit je vous montrerai. Pff, oh là 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 là. Mon dieu, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, moi je te le dis. Qu'est-ce qu'on est venu faire là? De toute façon, j'ai une bouteille. Joël, donne-moi un coup de main. Oh, t'es sérieux? T'arrives même plus à ouvrir une porte? Et voilà. Marlène nous lâche. T'approche pas d'elle. Oh, lâche-la. Ellie. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeunes? C'est pas une luciole. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste... Ellie, c'est notre seule chance. Et... c'est elle qu'on fait sortir? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elles traversent ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense la pas merde, que ce soit je une belle pas avec lui. Tu les connais d'où? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène. Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez. Voilà, et bien, c'est la fin de ce nouvel épisode. Bon, on va un peu résumer, hein, comme d'habitude, on va résumer cet épisode. Donc, on a fait pas mal de combats hein, dans cet épisode, sur le port, où c'est que j'ai eu du mal, j'ai voulu la jouer furtif, mais je me suis littéralement foiré. Après, bon, on a tué Robert, hein, parce que finalement, on n'a rien réussi à obtenir de lui. Bon, il a rien voulu dire, hein, du coup on lui a cassé le bras après on lui a tiré une balle dans la tête. Voilà, donc après on a trouvé Marlène qui nous a dit qu'elle nous donnerait nos armes que Robert lui a vendues et qu'il nous avait volées auparavant. Et du coup, ben, on la suit Marlène, mais on sait pas trop où sont ses armes. Et là, à la fin de cet épisode, on voit que la marchandise dont nous parle Marlène, qu'elle doit faire sortir de la ville, eh bien c'est Ellie.
Voilà, Ellie, oui, je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas. Hein, c'est Ellie, c'est E2LIE. Ça doit être ça. Ça doit être ça, c'est pas ça, c'est ça, ça, si je me trompe pas. Et voilà, donc à mon avis, c'est là que va vraiment commencer cette aventure, hein, parce que je vous rappelle tous les trailers qui ont circulé, à chaque fois on voyait Joël et Ellie. Voilà, donc ça s'annonce encore plus passionnant après. Je pense que là, ça va commencer vraiment, vraiment, même si ça a déjà commencé, à être intéressant. Bon, moi, je suis un peu violent, hein, j'y vais avec les briques, je tue les mecs, j'ai pas peur, hein. J'y vais peut-être même un peu trop, je pense. Faudrait que je me calme et que j'essaye d'être un peu furtif, je pense. Voilà, donc j'espère que enfin, ce troisième, quatrième épisode de ce Let's Play vous aura plu. Moi, je vous dis salut à la prochaine. Non, c'est troisième. Oh là! Troisième ou quatrième? Je ne sais plus. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi je vous dis salut à la prochaine. Et n'oubliez pas de survivre.